Tu veux savoir comment générer cette image et aussi celle-ci? Alors reste jusqu'à la fin de ce tutoriel. Nous allons voir cela tout de suite. Pour ce faire, rendez-vous tout simplement sur votre navigateur et saisissez dans la barre de recherche Bing AI Image Generator. Je vous ai mis le lien de la plateforme en description. Donc, après avoir cliqué sur le lien qui se trouve en description, vous allez vous retrouver sur cette plateforme. Vous allez vous retrouver sur cette interface. Bing, c'est une intelligence artificielle qui permet de générer des images à partir d'un simple texte. Donc, une fois que vous êtes ici, vous devez tout simplement saisir votre prompt. Le prompt, bien sûr, c'est tout simplement les caractéristiques de l'image que vous souhaitez générer. Par exemple, dans mon cas, j'ai écrit un enfant d'un an qui court au marché avec un bol de riz et poursuivi par les vendeuses. Donc, une fois que vous avez saisi votre texte comme ceci, vous cliquez tout simplement sur rejoindre et créer. Et ensuite, à ce niveau, si vous n'avez pas encore de compte de Microsoft, on va vous demander d'en créer un. Mais si vous en avez un, vous pouvez tout simplement vous connecter. Voilà, donc une fois terminé, vous pouvez voir ici nos quatre images qui ont été générées. Et franchement, je trouve ça plutôt marrant. Donc, on peut très bien voir ici que ça a respecté les consignes. Un enfant africain d'un an qui court au marché avec un bol de riz et qui est poursuivi par les vendeuses. Donc, on peut voir ici là que ça a très bien exécuté le prompt. Et donc, pour télécharger cette image, il suffit de cliquer dessus. Donc, parmi les quatre images qui ont été générées, il suffit de cliquer sur une image. Et là, vous vous retrouvez sur cette interface, il suffit de cliquer ici sur le bouton télécharger ou de partager sur vos différents réseaux sociaux. Donc, c'est ainsi que vous pouvez procéder pour générer ce type d'image. Voici donc d'autres images que j'ai pu générer grâce à cette intelligence artificielle. Je vous laisse regarder. Donc maintenant, je tiens à préciser que vous voyez que lorsque vous créez votre compte, vous avez au total 15 crédits. Donc vous pouvez générer 15 fois. Vous pouvez générer des images seulement 15 fois. Si ce tutoriel vous a aidé, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de vous abonner. Et on se dit à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.